Bonjour et bienvenue à votre méditation pour Savasana, SVADISTHANA Chakra. Commençons en prenant la posture de Savasana, posture de cadavre. Allongez-vous sur votre lit ou sur votre tapis. Couvrez-vous bien. Calez les genoux, la tête s'il vous faut. Faites tous les petits mouvements, ajustements nécessaires que vous soyez bien et immobile pendant les prochaines minutes. Relâchez les paupières. Relâchez les tempes, le front. Et les mâchoires. Glissez votre présence à l'intérieur de vous. Remarquez le poids de votre corps. Remarquez la forme de votre corps. Vous devenez transparent, immobile. Dirigez votre attention vers le chakra SVADISTHANA, le chakra de l'aliment de l'eau, le deuxième chakra. Situé sur le colon vertébral, en dessous le nombril. Accueillez toutes les sensations dans cette zone. SVADISTHANA et du siège de la créativité, l'épanouissement, de l'enthousiasme, de la passion. Souvent, les émotions inutiles, comme la culpabilité ou la colère, bloquer ce chakra. Les émotions, même les événements dans la vie, peuvent nous empêcher de nous exprimer tels que nous sommes. Commençons avec le souffle. Observez le rythme et la qualité de votre respiration. Et laissez venir une image des vagues. Quand vous inspirez, une vague vient. Quand vous expirez, elle s'en va. Notez le rythme. Laissez venir une image de tout débris qui se trouve sur la surface de l'eau. Et laissez chaque souffle, chaque respiration, chaque vague vous prendre de débris
vous nettoyez les choses qui ne vous servent plus. Vous inspirez. Une belle vague arrive et vous expirez. Et elle vous débarrasse des débris, des choses inutiles. Continuez à regarder les vagues qui viennent et qui vont. C'est jamais important les vagues qui viennent d'arriver ou les vagues qui vont venir. C'est que la vague maintenant qui a de valeur pour vous. C'est que ce souffle maintenant. Cette expiration ici. Doucement, les vagues s'allongent. Elles deviennent tout petites. Elles deviennent de plus en plus calmes. Le souffle se ralentit. Et vous voyez une mer huileuse. La surface d'eau parfaitement placide, claire, calme. Continuez à respirer calmement. J'inspire. Je suis cette mer huileuse. J'expire, je suis calme, fraîche. En inspiration, une mer placide, huileuse. Expiration, on voit tous les reflets. Des choses telles qu'elles sont. Quelquefois encore, je suis la mer huileuse. Je suis calme. Je reflète les choses telles qu'elles sont. Laissez rentrer dans votre corps cette qualité de l'eau, de la mer. Avec toutes ces possibilités de prendre toutes les formes qui existent, et de passer dans tous les états, la vapeur comme la glace. Capacité de s'adapter. Sa beauté. Sa puissance. Souriez. Elle est magnifique. Doucement redirigez
votre attention vers l'endroit de Svadhisthana. Cet endroit sous le nombril. Laissez venir dans votre esprit une petite sphère qui brille la couleur orange foncé, une couleur chaude. Vous sentez ces vibrations puissantes. Vous sentez cette sphère orange. Dans le bas abdomen, vibrez. Et doucement, elle devient plus grande, encore plus brillante. Laissez la couleur orange enlever tout le bas du dos, le bas du ventre. Et vous sentez une énergie excitée, enthousiaste. Vous sentez sa passion, sa capacité de créer, de prendre des nouvelles formes. Laissez-la s'agrandir de plus en plus, vibrer de plus en plus. Vous sentez dans le pelvis, les hauts de cuisses et vers le haut du dos. De petit par petit, toutes les cellules de votre corps se baignent dans cette lumière, cette vibration orange de Svadhisthana. Cette énergie de création, de possibilité, de potentiel. Chaque cellule, chaque molécule, dans les jambes, jusqu'aux pieds, dans le haut du dos, les épaules, et puis dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Vous sentez un espace sous les ongles de vous-même. Vous sentez dans les paumes. Vous sentez que vous-même sont capables de créer. Que toute cette énergie créative se manifeste en vous-même. Et toutes les possibilités sont sans aucune limite. Laissez ces vibrations monter vers le cou et à l'intérieur de votre crâne, dans le cerveau. Que tout le corps vibre de la création, de la potentielle. Doucement, placez les mains sous le nombril sur votre abdomen. Les pouces se touchent au bout, les index se touchent et vous formez un losange. Vous formez un yoni mudra. Vous
pouvez peut-être percevoir cette vibration dans vos mains. Doucement, retirez les mains et étirez le corps. Faites des rotations de poignets, de chevilles, de tête. Souriez. Laissez cette énergie créative rayonner dans un sourire. Vous passez par le côté droit de votre corps. Et quand vous ouvrez les yeux, souriez encore plus, souriez vers l'univers, vers le monde qui vous entoure. Rendez-le encore plus beau. Namaste.